Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Donc on est en 1.1.1 encore, hein. Y a eu des dernières nouvelles au niveau de la 1.1.2 ou la 1.2 sont sorties le 7 octobre, donc je n'ai pas plus de nouvelles depuis. Normalement la cam est en bas à gauche de votre écran, je l'espère en tout cas. Là c'est un autre setup que j'utilise par rapport aux vidéos Overwatch. Vous avez réclamé que je fasse le vaisseau en admin. Donc on va commencer par le rangement du vaisseau, ce qui va être déjà une mince affaire. Enfin, ce qui ne va pas être une mince affaire, donc on va passer en mode admin, donc slash admin, vous connaissez le principe. Voilà, ça marche même dans la partie solo, vous inquiétez pas. On va donc aller directement ici, je pense, ça marche toujours, je pense, hein. Oui, coffre. Oui, tout est là, je crois. Non, pas tout. Ouais, je pense pas que tout soit là, bizarrement. Ah, alors ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Par contre, ça me coûte rien du tout, d'accord. Si, parce que ça, j'en ai pas vu, ça, je crois. Ça non plus. 64 items, c'est pratique. 16. 16. 40. Ok. 64, c'est pour la même taille, donc c'est, vous voyez, c'est peut-être un peu plus rentable comme ça. Hop. Je pense 64 items, c'était vraiment ce qu'on avait de mieux, hein. 32. 32. 64 encore, mais c'est un truc très très gros. Le safe, 16 items, vous voyez, donc je pense que on peut remonter sur ce truc là. C'était ici, voilà. Frontier Vault. On va en prendre 1000, c'est pas grave sur le principe. Ah putain. Ah et ça va être saoulant aussi. Bon, on va considérer que 20 c'est pas mal. Hop. Oh c'est gros. Ah c'est bien plus gros que ce que j'avais prévu. Ah, quelle horreur, puis ça superpose pas. Ah. Oh, puis c'est dur à casser. On n'a pas de chance. Bon. Safe. Si je vais là-dedans. Ok. Ouh là là, le jeu en chie en fait à cause du mode apparemment, du mode... Enfin, du passage en mode admin. Pas le mode en lui-même. Merde, 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 merde. Ça va prendre encore plus de place, vous me direz, mais bon. Ah, ça fait chier. Ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Comment je vais faire ça? Je peux pas trier par... par nombre d'emplacements, ça serait tellement pratique. Comment je vais faire ça? Saloon, cabinet, mais je pense pas pouvoir en mettre les uns sur les autres. Ah, ça pue. Bah au moins ça me permet de découvrir tout ça ensemble, chers amis. C'est là qu'est l'avantage. Sinon, ouais, malheureusement, je vais partir là-dessus. Oh, c'est long. C'est long à craft. C'est tellement long. Hop, enfin bon. Voilà, on va dire que c'est suffisant. Et je peux pas les poser parce qu'il n'y a pas de mur actuellement. Ok. Pour l'instant, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hop. Ce sera ici. Hop, et là, normalement, je peux. Voilà, c'est ça. Ah, merde. Ah, ça va être chiant à poser en plus. Hop.
Hop. Et merde. Hop. Voilà. Ah, mais... Si je connaissais le camp! Qui n'a pas trouvé des coffres mieux que ça. Ok, bon. Alors, on va commencer par là. Hop, on a pu récupérer un paquet de choses. Oui, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Et après, je referai le tri. Hop. Crac, c'est pas grave. C'était le troisième, le quatrième, hop. Alors c'est pas la partie la plus intéressante, du coup je pense que je vais vous la skip. Je reviens. Ok, bah re, chers amis. Bon. Re, donc, alors maintenant que ça clignote plus, j'ai tout rangé là-dedans, plus ou moins trié, c'est tout est dedans là, c'est bon. J'ai enlevé tout l'éclairage du vaisseau, comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant, on va revoir donc pièce par pièce, si je puis dire. On va faire quelques petites pièces d'abord, puis après les grosses. Vous pouvez voir par exemple ici qu'on a des barres sur les côtés. Donc j'aimerais essayer de remettre celle-ci ici pour rendre un petit peu le vaisseau entre guillemets uniforme. Hop, voilà. Maintenant qu'ils nous ont changé en fait la taille du téléporteur et la forme du téléporteur, on va vraiment falloir qu'ils se barrent parce que s'ils me collent au cul tout le temps, je vais rien voir de ce que je fais. Est-ce que vous pourriez genre aller loin? Non? Non, ça vous tente pas? D'accord, donc j'ai pas obtenu les trucs que je voulais. Comment ils appellent ça? Support wall. Wall support, j'imagine. Comment je vais pouvoir chercher des cubes? Est-ce que je peux chercher des cubes là-dedans? Non! Non, non, non. Du coup, en fait, ce mode, entre guillemets, est beaucoup moins intéressant qu'avant. Ok. Bah, un instant. Ok, re, chers amis. Donc, slash, spawn, item, ça fait longtemps. Apex, ship, wall. Normalement. Hop. Support, pardon. Oh là 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 là. Ok, on va s'en donner 1000. On va s'en donner ici. Crac, voilà. Ça permet d'avoir un petit peu ça en. Enfin, ça, pardon, en stock. Hop, ok. Ce qui nous redonne un petit peu le même type de mur en fait qu'on voit partout. Donc, ça, c'est pratique. On va aller vérifier quand même partout que ce soit déjà le cas. Ok, ça me semble bon. Pour ce qui est des choses de base, ici par exemple, on reviendra là-dessus. J'en mettrai une troisième barre comme ça. D'ailleurs, je pourrais presque la mettre tout de suite. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Là, à l'heure actuelle, en fait, c'est pas véritablement symétrique, si je puis dire. C'est-à-dire que si je mets un plafond, il n'y aura plus la barre au centre. Enfin, en fait, le plafond sera sur la barre au centre si je veux diviser la pièce en deux. Ce qui peut poser problème. Pour ça, oh, on reviendra sur les escaliers et les ascenseurs une autre fois. Ce n'est pas grave. Peut-être que je vais. Enfin, j'ai pas envie de rajouter un mode sur cette partie, mais on verra. Ok. Hop, maintenant je peux revenir. Et putain. Non, c'est bon. Non, j'avais une drôle d'impression. Ok. Juste ce qu'il faut, c'est parfait. Ok, parfait. Bon. La suite. Hop. Donc ça c'est bon. Alors au niveau du téléporteur, c'est la première chose dans laquelle on, la première zone dans laquelle on va arriver. Il faudrait qu'on y mette de la lumière. Niveau lumière, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors. Est-ce que c'est véritablement de la lumière ou pas? La ship light, moi j'aime bien, ça fait. Enfin, ça fait aussi ship SHIP, si je veux dire. Si vous voulez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Exit sign, mais il me semble qu'il est assez gros. Nous, il nous faudrait quelque chose qui puisse se coller au mur, en fait, littéralement. Ça, je crois pas. Ah bah voilà, on les a. Ouais, ça va rendre bien, ça. Hop, ça c'est vraiment saoulant, chers amis. Je suis désolé, hein. Je suis le premier à dire que ça va pas être terrible. Ah là là. Et comme je connais pas, comme y a pas, comme je connais pas encore tous les noms, tous les trucs, parce qu'il y en a qui ont changé en plus.
fais dupliquer. Je mets light. Verra. Hop, là j'en ai une cinquantaine, plus de 50 même, donc c'est bon. Hop, on va tester ça, on va voir si la taille est bonne. Jusqu'où je peux le mettre? Je peux le mettre là. Ok. Et les filles, bougez-vous. Je peux en mettre partout, cela dit. Le problème, c'est que si j'en mets partout, je n'ai plus la possibilité de les allumer automatiquement. Donc, pas besoin d'en mettre partout pour le moment. Hop, on est très très bien comme ça. Ok. Pour ce qui est des light sensors, alors normalement ça doit être assez simple. Slash spawn item light sensor 500. C'est pas grave. Hop, voilà. Merde, j'ai mis light sensor. Ah, c'est chiant. Si, je dois les avoir. Scanner, ça doit être scanner. Slash spawn item scanner 500. Je l'ai peut-être de mémoire. Ouais, c'est ça. Parfait. Hop. De mémoire, on va mettre ça à demi hauteur d'homme, on va dire. On va dire que c'est fait exprès. T. Parfait. Non, ça, je peux du coup le ranger. Clac, vous connaissez le principe. Hop. Tant qu'il y a du monde. Hop, il y a de la lumière. Ok, ça c'est fait. Donc là, au niveau de cette lumière-là, c'est pas trop mal. Donc, maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire une salle ici, une salle un peu plus... on va dire, vivante que celle qu'on a vue précédemment. Ici, pourquoi pas refaire une cafétéria, simplement. Essayer toujours d'aller dans le même domaine, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais de manière un petit peu plus différente. Sauf qu'ici, on mettra les dorms, les sacs de couchage, tout ce qui est couchage, normalement. Hop, on verra si j'arrive à placer ça correctement. Ok, bon. Pour ce qui est de la zone ici, je pense qu'on devrait en faire une salle de vie, mais vous savez, en relief, en rond, vous savez, un petit peu. Mais pour ça, il faudrait en fait qu'on ait simplement des choses un peu plus intéressantes que ça. Et malheureusement, je pense pas qu'on aura ce qu'il faut ici. Si je prends, imaginons... Hop. Ah, quoique. Quoique. On va le laisser chercher un petit peu. Ah, c'est bête qu'il n'y ait plus le tout. Vous savez. Bon, arrête-toi. Suffisamment, ou alors on prend ceux-là. Ouais, non, les bancs, c'est pas ce que je recherche. Moi, je recherche plutôt un canapé en fait. Ah, il y aura ça aussi. Ah, oui, il faudra ça aussi. Ah ah. Ouais. Ça aussi, il faudra. Bon. Ça, il m'en faut un. Non, c'est bon, il m'en faut un, j'ai dit. Ça, il m'en faut une. Hop. Ça, il m'en va falloir un paquet. Ça aussi, je peux le récupérer. Ça aussi. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il continue à améliorer tout le truc du vaisseau. Ça, c'est assez sympa. Hop, Monsieur Novakid, il est arrivé en bas. On sait pas trop pourquoi. On va commencer par le bar. Le bar qui prendra, voilà, je m'attendais à ça un petit peu, il prendra beaucoup de place sans doute. Et je suis dans l'incapacité de le centrer dans ces pièces-là. Si, il est centré là. Cool. Cool. Et donc, table de poker ici avec les chaises autour. Hop. Ok, pour ça c'est bon. Pour ce qui est du reste, attends, il va me falloir plus d'objets de saloon. Hop. Crac. Si je mets saloon, j'aurais tombé sur des trucs sympas normalement. Saloon piano. Ah oui. Saloon sign, saloon spittoon. Ça peut être sympa par contre. Ça peut être sympa. Hop.
Hop, ici, ok. Saloon cabinet. Alors ça, c'est pas du tout ça que je voulais trouver, mais je vais en prendre un. Bon, ça fait un peu plus qu'un, mais c'est pas grave. Ça, c'est cool. Ça, c'est carrément cool. Mais on va pas l'utiliser ici. Pardon, il me faudrait des trucs à bouteille, mais je sais pas comment je vais réussir. Si je mets bottle, tout simplement. Ça passe pas, ça passe pas. Comment je vais pouvoir trouver ça? Comment je vais pouvoir trouver ça? Ah, c'est con! C'est con, c'est con, c'est con. Si je trouve pas. Non. Non plus. Non. Encore moins. Ah, c'est pas ça que je veux. Ah, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Pas ça non plus. Merde, merde, merde. Ah, je vais pas le trouver. Attendez, frontière. Alors ça peut être sympa. Ça non. Ça pourquoi pas. Pompe à eau, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, pardon. Windmill, ça m'intéresse pas. Merde, j'en trouve pas. Je cherche, vous savez, tout ce qui est boisson, hein. Et j'en trouve pas la moindre. Il y a mon chien qui s'excite en bas, pourquoi? Je vais pas avoir la place de le poser. Alors j'aime bien centrer les choses, mais peut-être les déplacer aussi. Hein. Non, non. Mince, je trouve pas ce que je veux, c'est dommage. Ah, c'est embêtant ça. C'est embêtant parce que. Enfin, elles devraient être là les bottles normalement. Non, c'est pas ça que je cherche. Putain. Ok. Ça fait 1. Me dis pas que je les ai scannés pour rien, quoi. Ce serait débile. Tu peux t'arrêter. Hein. Ça en fait beaucoup de champagne. Mince, je les aurais scannés pour rien? Il semblerait que oui, alors, apparemment. Merde. Un bol. Non, mais apparemment, je les trouve. Enfin, je les trouve pas du tout. Dommage. Bon. Ok. Donc, c'est dommage par rapport à ce que je cherche. Ah, mince. Donc non, ça fait clairement armure, ça fait clairement pas. Ah, remarque, 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 ça passe pas trop mal. Par rapport à ce que je voulais faire, ça passe pas trop mal. Hop. Ok. Non, clairement non, pas ici. Est-ce que je peux par exemple déplacer? Table. Hop, cassez-vous! Cassez-vous de mon chemin, vous m'embêtez! Oh là là. Hop. La table. Crac. La chaise. Crac.
Ok. Il me faudra un petit pied, un petit stand, vous savez, pour pouvoir le poser dessus. Hop. Alors, voyons voir. Si je mets saloon là-dessus, je tombe sur quoi déjà? Ah oui. Et grande. Non, plus. Non, c'est frontière. Frontier Vault, ça va être beaucoup trop gros. Ok. Ok. Donc, zéro meuble. Coffin, c'est quoi Coffin? Ah oui, exact. Oui, c'est bon, je me rappelle maintenant. Mince. Table. Ou stand, stand, peut-être plutôt stand. Hop. Non, ça va être trop gros. J'ai peut-être ce qu'il faut. Oh, ça semblerait parfait. Ah, mais qu'est-ce que vous faites tous là pile à l'endroit où je veux mettre un objet? Hop. Mon menu était parti un petit peu trop loin. Hop. Ah, c'est gros. C'est gros, c'est gros. Merde. Bon, c'est pas grave. Je vais retrouver autre chose. Le jukebox, tiens. Hop. Ça, c'est une idée. Il fait pile la taille qu'il faut. Allez voir. Regardez. Hop. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Bon, alors, niveau éclairage maintenant. Ou alors. Ah, si je casse tout ça, ah, bon, c'est pas grave. Hop, ah, je m'en doutais que les verres allaient péter. Je m'en doutais que les verres allaient péter. Hop. Ouais, ça me plaît moins. Hop. Alors, je sais, normalement, c'est un piano, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais peut-être pas remettre ça, finalement. Ça me plaît pas. Faudra que je retourne voir dans un saloon comment à quoi ça ressemble. Hop, les verres. Hop. Ok, c'est bon, les verres sont posés. Ce qui me donne un peu de place en hauteur, ce qui est assez cool. Vu qu'ici, j'aimerais mettre niveau des lumières. Au niveau des lumières, j'aimerais mettre autre chose. Alors, où ils sont? Alors ça, c'est le broken. Ça aurait pu, ça aurait pu, ça aurait pu. Voilà, display light. Hop! Normalement, c'est les petites. C'est les petites, c'est parfait. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Hop! Voilà! Ok, c'est plus ou moins ce que je voulais, c'est parfait. Parce que là, je pourrais pas le faire, donc ça vaut pas la peine. Hop. On pourrait peut-être remettre une lumière classique au-dessus, mais c'est juste pour que ça fasse un spot. Genre, il y a un event. Non, pas ça. Peut-être. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on avait un plus classique comme ça aussi. Ouais. Ça, c'était un peu plus gros de mémoire. Alors, je pense qu'on n'aura rien de bien mieux finalement. Ah, c'est tout petit en fait. Ah oui, d'accord. Non, bah non alors. Et j'ai pas pris ce que je voulais prendre. Semblait l'avoir pris pourtant, mais je l'ai pas pris. Là voilà.
J'avais pas pris le machin qui tournait aussi. Y a pas un truc comme ça qui tournait? Bon, je suis bizarre. C'est tout petit! Oh bah, je m'attendais à beaucoup plus gros, personnellement. Ça m'intéresse pas alors tout ça, mince! Mince, mince, mince. Si, je sais! Ah ah, si, je sais! Je sais, je sais, je sais! Ouh, j'ai trouvé! On les a vus en plus, j'aurais dû les prendre, je dis que c'était trop gros, mais non. J'ai dit que c'est trop gros, mais non, vous allez comprendre pourquoi. Celles-ci peuvent se diriger vers le bas, tout simplement. Hop. Regardez. Hop, je les prends, imaginons. Hop. Ah, mince. Mince, 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 mince. Elles ont un problème de... de symétrie. Mince. Est-ce que je suis centré là ou pas? Je sais pas. Non, c'est bon, je suis bon là en fait. Non, non, je suis bon, c'est un problème de... hop. De mise en place. Ok. Hop. Ok. Niveau éclairage, ça donne comment? C'est assez moyen. C'est assez moyen, mais on n'a pas forcément besoin de plus. Pourquoi? Parce que oui, parce qu'on sera en journée. Alors ça, du coup, là, celle-ci, j'aimerais la supprimer. Si le jeu... ah, j'ai pas... ah d'accord, oui, non, c'est pas du verre. C'est tout simplement un trou. Ok. Alors, du coup, je peux faire ça. Voilà. Hop. Ok. Du coup, là, j'ai la lumière. J'ai tout ce qu'il faut ici. Maintenant, il va falloir les ascenseurs. Que je puisse savoir après quoi mettre en dehors de ça. Il y aura des posters, sans doute. Il y aura des banderoles. Je vais quand même aller voir d'abord tout ce qui est banderoles et posters. Directement. On va mettre directement frontière, hein. Il me semble qu'on a vu des choses tout à l'heure. Pas intéressant. C'est naze, naze. Donc peut-être pas là-dedans. Alors dance peut-être, un truc un peu plus funky, dance. Dance machine, club, donc non ça m'intéresse pas. Poster. ça va être intéressant. Je vais en prendre quelques-uns. Hop. Warning poster, Warrior Movie, d'accord. Un, deux. Hop, 3, ça j'en veux pas, 4, 5, on va déjà prendre ça, et on verra par la suite. Ici j'aimerais mettre le keep calm, there's no need to be upset, voilà. Il peut pas être centré forcément, dommage. Hop. Il n'y a pas la même taille. Forcément non. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ça c'est pas trop mal finalement. Hop. Ok, bon c'est pas top pour l'instant ce que je fais, hein. Je reconnais que là pour le coup je suis pas... je suis pas à mon aise on va dire. Hop. Ok. Pourquoi pas. Tu peux te couper s'il te plaît. Oh quoique c'était pas si mal d'avoir un fond musical. Ok. On va remettre des senseurs partout. Alors là il veut pas en mettre forcément. Bon bah on va tous les remodifier. On va les mettre un cran plus haut au niveau de la tête. Hop. Hop.
Hop. Crac. Et hop. Donc ça c'est bon. On va peut-être pouvoir en mettre plusieurs même, je dirais. Ah, il y avait encore une... Je me disais aussi j'en avais fait qu'une. Hop. Crac. Hop. Ouais, d'accord. Donc ça c'est sur Dragon Ball Xenoverse qui arrivera sur la chaîne. Ça y est, j'ai reçu la... Oui, j'arrive, je travaille dessus les filles, n'inquiétez pas. Forcément. Hop. Voilà. Hop. Ah oui, c'est un bouton ça. Hop, ici aussi. Hop. Et on est bon. Et enfin. Non. Hop. Hop, ça c'est bon. Ça fout le bordel quand même, hein, je veux pas dire, mais... Ça peut être sympa aussi de changer de musique de temps en temps. Pardon. Ok. Ascenseur en anglais, ça se dit comment? Hop. Lift cage. Lift cage. Ok, c'est pas ça. On va essayer ça, je sais pas si c'est ça. Slash spawn item moving elevator short 500, c'est pas grave. Alors, ah, j'ai fait une faute. Ah oui, j'ai fait a spawn item. Ok. Perfect helm, perfect trousseau. Ah, apparemment, je me suis planté. Moving elevator short. Alors, qu'est-ce qui va pas? Moving elevator short. Alors, ah, ça aurait dû marcher. MOVING elevator short. D'accord, c'est bien ça. Donc ça aurait dû marcher. Mais c'est vrai que elevator, ce serait peut-être une bonne idée. On va essayer autre chose. Voilà, donc là ça marche. Bon bah écoutez, ça arrive à tout le monde, hein, comme on dit. Il veut pas. Ah, parce qu'il faut peut-être que je place quelque chose dans le milieu là. Hop. Voyons voir. Est-ce que c'était ça ton problème? Oui, c'était ça ton problème. Ok. Je peux en mettre un en haut ou pas? Est-ce que ça marche? Je me rappelle plus moi. Un cube. J'ai pu en avoir suffisamment. Là 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 là. Ok. Ici. Details. Hop, parfait. On les a. Et donc, est-ce que ça marche si j'en rajoute un au-dessus? Apparemment, oui. Ok, parfait. Parfait, parfait. Enfin, j'ajoute des boutons là-dessus. Bon, au moins ça marche, ça c'est fait. Ok, au niveau des panneaux ici, je vais pas en rajouter finalement, je vais pas en remettre de trucs. De toute façon, je pense que cette zone-là va être vouée à changer assez souvent. Tout simplement pour m'assurer que j'ai fait quelque chose de bien. Là, pour l'instant, j'en suis pas fier. Du coup, on reverra ça une autre fois, je pense, pour cette pièce-là.
On va faire les dorms la prochaine fois, je pense, mais il va falloir que je travaille un petit peu sur mes épisodes de tourne. Enfin, comme ça, mes épisodes de comment de décoration, si je puis dire. Simplement parce que j'ai pas accès à tout. C'est pas le même fonctionnement du mode admin par rapport au précédent. Je vais peut-être quand même rajouter quelques buttons. Attendez, 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 attendez. Hop. Il va falloir un ta... Ah, c'est pas le bon truc. Il va falloir un timer et un bouton. Blue base button, ça va être un peu trop gros. Hidden switch, ça va être peut-être pas si mal, mais pourquoi pas. Ok. M'intéresse pas. Non plus. Oh, les mecs, eh oh! J'ai juste besoin d'un bouton! J'ai juste besoin d'un bouton classique! J'aurais pas ça. Un bouton, tout ce qu'il y a de plus simple! Vous avez pas ça! Un simple bouton! Ils vont pas avoir! Hein. Parce que ça, je connais le truc, chers amis, c'est pas bon! Pas le moindre bouton. Bah écoutez, on va prendre ça pour l'instant. Ou alors attendez, button, il faut que je mette button maintenant. Hop. Alors. Slash player.addItem. Non, ça c'est autre chose encore. Ça c'était autre chose. Spawn item, pardon. Tiny wall button 500. Hop, comme ça j'en aurai un paquet. Merci. Ça c'est fait. Je vais pouvoir le poser maintenant en plus. Et ben, je vais être obligé de le poser à côté. Désolé pour les. Les comment? Les pingouins qui ne pourront pas. Oh si, ils pourront. Ils se démerderont comme on peut venir. Comme on peut le voir à l'instant. Ils trouveront un moyen de se démerder. Ce que je vais essayer de faire. Ah non, il va m'en falloir un pour chaque. Je voulais. Ah merde. En train d'essayer de réfléchir, mais. Si je peux peut-être le mettre là. Attendez. Peut-être le coincer là dans le coin. Hop. Alors, hop, crac. Senseur, senseur, switch, timer, 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 timer. Ah, je voudrais éviter les timers gris, moi. Je voudrais les. Enfin, je voudrais timer, timer, quoi. Ah, c'est chiant! Enfin, je voudrais justement les timers gris. Vraiment, on va le mettre comme ça. Slash spawn item, timer. 2 secondes. Ah bah ça marche pas. Ah il m'en faudrait peut-être. Bah non normalement si je mets pas de numéro il m'en met un. Je vérifie mais. Ouais voilà c'est bien ça. Ouais c'est autre chose. Bon on a eu ça. Toujours ça de près. Hop. Bon, je vais le mettre là pour ici. Parfait. Et je vais le set quand même. Hop. Ok. Et pour celui-ci. J'aimerais aussi le 7. Je vais le mettre là, c'est pas grave. Hop. Ah oui, mais attendez, il va falloir que j'en mette plusieurs. Il va falloir que j'en mette absolument plusieurs. Hop. Donc c'est T pour moi. Donc, juste pour faire le test, voilà, j'appuie là, crac.
Et il descend. Ok, ça c'est bon. Crac. Ah, c'est marrant, celui-là il est dirigé vers le bas directement. Ah oui, je me souviens maintenant. Je me souviens, ça y est. Ça y est, je me souviens. En fait, il y a un sens où, justement, voilà, là, il va être en haut, du coup, il descend. Et donc, quand je le branche, voilà, là, il va rester en haut. Ok, c'est bon. Ok. Donc là, on a deux ascenseurs. Donc, j'appuie, j'ai envie de monter, hop. Là, je l'ai pas réglé, faut que je le règle. Ok, j'aurai plus qu'à régler quand je veux descendre. Hop. Hop, voilà. Même en bas, ce sera plutôt mieux si je mets une seconde. Même deux, ce sera peut-être mieux en fait. Ah zut, voilà, hop. Bon. Ok, donc ça c'est assez simple à paramétrer, finalement. Ok, bon bah ça me plaît. Ici, c'est juste rapidement ensemble, chers amis, on va le faire. Hop. Crac. Je fais ça comme ça. Et on verra pour la descente tout à l'heure. Ok. Bon, eh bien écoutez, chers amis, du coup, moi je cherche encore la caméra, j'ai pas encore trop l'habitude. Je tape dans mon micro comme vous voyez, comme ça a toujours été. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi retrouver le lien normalement de la bannière, enfin le lien du groupe Steam directement donc dans les commentaires. Pour tout ce qui est directement dans les dans le descriptif de l'épisode, tout ce qui est commentaires, je les lis, vous inquiétez pas. Donnez vos avis sur les pièces, que vous avez des idées comme pièces, comme type de mobilier, je serais ravi de le connaître. Je vais quand même essayer de faire ça à ma sauce. Si vous avez par contre des idées pour cette pièce là, dites-les. Moi je vais essayer de m'adapter. Je dois vous avouer que je suis pas fier de cette pièce pour l'instant. On verra pour la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yop. J'ai pas l'habitude encore de regarder la caméra. Va falloir que ça change. Je me trompe de bouton.